La prise de conscience des enjeux sanitaires et environnementaux du bâtiment est récente. Elle est née de la crise pétrolière et du syndrome du bâtiment malsain avec l'amiante dans les années 60. C'est à cette époque qu'apparaît le terme d'éco-construction, une nouvelle vision de l'architecture est née, où l'espace n'est plus réduit à un seul usage physique, mais également psychologique. Éco-construire, c'est bâtir plus écologique, en diminuant l'impact sur l'environnement, en améliorant le confort et la santé. Ce terme d'éco-construction est longtemps resté marginal. Aujourd'hui, il est une lame de fond pour les maîtres d'œuvre, les architectes et les constructeurs, qui doivent faire face aux enjeux planétaires, la diminution des ressources fossiles, le changement climatique et les pollutions environnementales. En matière de bâtiment, certains doivent particulièrement diminuer leur impact. Ce sont nos hôpitaux. Ces lieux de soins sont très énergivores, polluent et sont parfois peu attentifs aux matériaux qu'ils utilisent. Pourtant, les hôpitaux se veulent exemplaires, car ils ont un devoir de pédagogie envers les populations qu'ils reçoivent. Et surtout, les hôpitaux gardent le cap vers leur mission première, d'abord ne pas nuire, ensuite soigner. J'arrivais à l'école d'architecture de Montpellier et j'ai demandé à 20 étudiants de troisième cycle d'aller voir 3 médecins, chacun, et de demander s'il y avait une relation entre l'architecture et la santé. 60 médecins interviewés à Montpellier, 59 nous ont dit « Passez, rien à voir, faites de l'architecture, nous on soignera les gens. » Quel est pour vous, mettons, acteur de santé, médecin, quelle est votre représentation sur l'architecture? Moi, en tant qu'architecte, quelle est ma représentation au niveau de la santé? Quel dialogue, quel vocabulaire peut-on mettre ensemble? Nous partons à la découverte des hôpitaux du futur. Construits ces 10 dernières années ou encore au stade de projet, ces nouveaux bâtiments de santé se veulent plus respectueux de l'environnement, plus confortables, plus économes. Et certains professionnels de santé préfèrent d'ailleurs employer le terme d'éco-conception des hôpitaux. Avant de se lancer dans l'acte de construire, il faut concevoir un établissement. Et le concevoir de manière quasiment idéale, pour assumer notre vocation d'exemplarité dans ce domaine hospitalier, c'est de prendre en considération, au moment de cette création, trois impacts, c'est-à-dire les impacts que génère un établissement de santé durant sa vie. Les impacts économiques, les impacts sanitaires et les impacts écologiques. Si on prend en considération ces trois types d'impacts et qu'on se donne comme objectif après de les diminuer pendant la période de construction et pendant toute la période de gestion de l'établissement et même de son entretien, de sa maintenance, eh bien on est là en effet sur une notion d'éco-conception. Mais concevoir un bâtiment de santé, ce n'est pas seulement diminuer ses impacts, c'est aussi préserver la santé des populations. Oui, l'architecture participe aux soins. Et nous allons voir que l'éco-construction est en effet bien plus que le respect de l'environnement. C'est en France que nous commençons notre voyage, pays du Grenelle de l'environnement où le secteur du bâtiment est un des plus grands consommateurs d'énergie. Il représente 47% de l'ensemble de la consommation énergétique et 23% de l'ensemble des émissions de CO2. La France, en adoptant en 2009 les recommandations du Grenelle 1, a ouvert l'accès à une approche éco-responsable de la construction. Et le Grenelle 2 a renforcé les actions en créant le plan bâtiment Grenelle. Un plan qui met en œuvre des programmes de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Du côté de la construction économe, on s'est fixé deux objectifs. À partir des toutes prochaines années, l'obligation de ne présenter des demandes de permis de construire que portant sur des bâtiments basse consommation. C'est ce qu'on appelle la mise en œuvre de la réglementation thermique 2012. Puis l'étape d'après, ce sera début 2021, où nous avons décidé que les bâtiments mis en chantier seront à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils produiront plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Les établissements de santé, c'est 11 à 12% de l'énergie consommée par le secteur tertiaire. Ça veut dire que c'est un sujet tout à fait essentiel. En France, lorsque nous parlons d'éco-construction, inévitablement, nous entendons parler du label HQE, la haute qualité environnementale. Un label qui réunit des critères environnementaux doublés à des critères sanitaires et de confort. 14 critères au total, 7 à valider pour être labellisé HQE par l'organisme certificateur. Tous les critères doivent être traités, mais ils doivent être traités avec une hiérarchie.
Hein, bien sûr, il y a aussi l'aspect économique qu'il faut prendre en compte. Et donc, si on équilibre les aspects environnementaux et les aspects économiques, on voit bien qu'on ne peut pas tout faire et tout porter à son maximum. Donc, le premier travail à faire, et c'est là tout le travail d'adaptation de la démarche HQE au contexte de chaque opération, c'est de prendre connaissance du contexte de l'opération, dans quel site sommes-nous, quelles sont les contraintes, quelles sont les opportunités. Quelles sont aussi les fonctionnalités que l'on vise pour le bâtiment? Un bâtiment logistique n'a pas les mêmes contraintes évidemment qu'un bâtiment de santé. Et puis quelles sont les attentes de ceux qui vont utiliser le bâtiment, puisqu'ils sont bien sûr les premiers à donner leur avis sur la question. Et en fonction de tous ces paramètres, il convient de hiérarchiser les objectifs environnementaux de façon à donner du relief à la démarche. Un des sites hospitaliers HQE le plus réputé en France se trouve à Alès. Situé en face de l'ancien hôpital, le nouveau bâtiment tout juste sorti de terre a respecté la totalité des critères HQE. Chantier faible nuisance, matériaux sains, confort et ergonomie des espaces. L'hôpital a également fait le choix d'investir 12 millions d'euros dans sa performance énergétique en construisant un pôle énergie. Ce que je vous dirais de manière très simple, c'est que quand on réalise un ouvrage appelé à durer 40 ans, il y a quelques erreurs initiales qu'on ne peut pas faire. Premièrement, le fait qu'en termes de coût global, il vaut mieux des fois investir un peu plus pour que ça dure plus longtemps et que ça coûte moins cher. Et au passage, on se retrouve avec un ouvrage de meilleure qualité. D'où le pôle énergie développement durable. Et là, carrément, on sait que le retour d'investissement, c'est à 6 ans. C'est-à-dire qu'on a construit un pôle énergie qui va fonctionner 20 ans. Et au bout de 6 ans, on va gagner de l'argent. Pourquoi ? Eh bien parce que le bois est moins cher que le pétrole ou le gaz. La particularité de ce projet, c'est son financement qui s'appuie sur un partenariat public-privé. Une première en France. Nous avons rendez-vous avec Patrice Lalumia, ingénieur en chef de l'hôpital d'Alès, pour découvrir les atouts de ce pôle énergie. Le pôle énergie d'Alès, c'était en 2001. Il était intégré à notre programme de reconstruction. Pour des raisons budgétaires, nous avions eu des consignes de notre tutelle de le limiter aux seuls besoins du nouvel hôpital. Puis nous, ça ne satisfaisait pas, ce n'était pas des développements durables. Et on s'est mis en quête d'un investissement particulier, type tiers investisseur, ce qui aboutit à une procédure de contrat de partenariat public-privé. 75 mètres de panneaux photovoltaïques, 3 chaudières full gaz, 3 groupes de climatisation, 2 groupes électrogènes. Mais le point fort de ce pôle, c'est surtout la biomasse, une énergie qui fonctionne au bois. Nous avons ici un gros silo. Derrière cette installation, nous avons un gros silo qui est autour de 300 mètres cubes de bois. Et vous voyez, le bois que nous utilisons ici, c'est du bois, de la plaquette forestière qui est broyée en petits morceaux et qui est amené avec des tapis roulants automatiquement jusque dans la chaudière. L'été, la chaudière ne fonctionne pas, ce sont les chaudières fuel gas qui prennent le relais. Mais à l'année, cette chaudière de 1600 kWh apporte 80% des besoins de l'hôpital en chauffage et en eau chaude. Cette énergie biomasse permet également à l'hôpital de réduire ses rejets de CO2 de 1500 tonnes par an. Mais attention, pour alimenter cette chaudière, il ne faut pas moins de 3000 tonnes de bois par an. Donc les camions arrivent ici pour livrer leur bois, marche arrière. Ils répartissent en 3 fois leur chargement pour répartir convenablement la charge sur les racleurs, et éviter les problèmes d'encombrement et d'obstruction. Et c'est du bois, comme vous pouvez le voir, qui vient du nord du Gard, la filière Cévennes, l'énergie bois Cévennes, qui, on peut dire, commence ici. C'est un investissement de 12 millions d'euros, le pôle énergie, qui a bénéficié de 1,7 million d'euros de subventions de la part de l'Europe via le FEDER, la région, le Conseil général, l'ADEME. 380 000 euros, c'est le soutien financier apporté par l'ADEME grâce au Fonds Chaleur. L'ADEME est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle a pour vocation première de développer les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie dans différents secteurs. Et à l'horizon 2020, c'est sur l'énergie biomasse que l'ADEME compte le plus. Donc, suite au Grenelle environnement, on a donc mis en place un fonds chaleur important
un milliard d'euros donc sur plusieurs années, répartis sur plusieurs années, qui permet d'assurer le financement des différentes installations qui utilisent des énergies renouvelables. Et c'est vrai que le secteur hospitalier a un handicap, c'est la capacité à débloquer des budgets d'investissement. Et donc aujourd'hui, nous, on est capable d'apporter ces financements qui vont d'abord réduire le budget d'investissement et surtout qui vont garantir au secteur hospitalier une économie de fonctionnement. Si les économies d'énergie sont faciles à chiffrer, il y a d'autres économies dans les nouvelles constructions hospitalières qu'il est beaucoup plus difficile à démontrer, mais qui ont pourtant toute leur importance. C'est à Beaumont-sur-Oise, près de Paris, où nous allons comprendre que l'éco-construction, ce n'est pas seulement des économies d'énergie et de CO2, c'est aussi des économies de santé publique. Adossé à la forêt de Carnelle, le pôle de santé mentale Les Oliviers est également certifié HQE. Mais ce bâtiment, aux courbes et aux couleurs méditerranéennes, valorise davantage les critères humains qu'énergétiques. Nous retrouvons François Dussourd, médecin psychiatre au pôle de santé, aux côtés de Patrick Nousson de CertiVA, avec qui nous allons visiter cet établissement HQE, mais sous un nouvel angle, celui de l'espace et du confort qui facilite les soins aux patients. On retrouve les courbes qu'on voyait de l'extérieur, avec des arrondis où les stations d'aéropage peuvent effectivement s'asseoir et parler entre eux. Mm-hmm. Ils ne sont pas contraints, si vous voulez, par un couloir rectiligne. Un couloir rectiligne, quelque chose qui contraint. Là, ils peuvent voilà, déambuler, flâner, dans le fond. Alors là, c'est le HQE qui va parler. C'est les fameux toits végétalisés. Et c'est une sorte de toundra, un peu comme celle glaciaire qu'on rencontre en URSS, donc il n'y a pas d'entretien. Donc effectivement, la première fonction de la toiture végétalisée, c'est bien de retenir l'eau plutôt que de la rejeter dans les réseaux, donc ce qui est vraiment intéressant. Et puis ça a aussi une vertu de protection, d'isolation thermique et phonique. Là, c'est une petite pièce qui est aussi très importante. C'est le salon de coiffure, le salon d'esthétique. On garde les qualités d'accueil, de chaleur, de lumière. Et puis là-dedans, on peut mettre l'activité que le soignant a décidé d'utiliser. Parce que ça, c'est des activités à l'initiative du personnel. Voilà. Moi, je veux dire, voilà, c'est possible. Oui, là, c'est les infirmières qui font ça. Je dis, c'est possible. Voilà, vous avez ça. Maintenant, animez-le, si vous le sentez. Donc, c'est finalement la possibilité de salle qui a donné la proposition d'atelier. Tout à fait. Voilà. C'est quand même des troubles de l'attention chez nos patients. Parfois, il faut au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils en ont marre. Là, nous, on voit également cette qualité que s'ils sont bien dans les lieux, ben, ils y restent. Quoi. La première vertu a été d'ailleurs, c'est absolument manifeste dès le premier jour, c'est que tout d'un coup, tous les patients, qui parfois ne nous connaissent pas, puisqu'on est plusieurs médecins, nous disaient bonjour. Mais surtout, ça nous permettait vraiment d'avoir quelque chose d'adaptable. C'est-à-dire, on se replie, on peut se replier, on peut s'ouvrir, on peut fermer des ailes, on peut les ouvrir, on peut faire des services fermés, des services ouverts. Alors, c'est vrai qu'en plus, bon, si on reprend le côté financier qui n'est pas notre fort en tant que médecin, c'est vrai, surtout psychiatre, on est vécu un peu comme les poètes ou les utopistes de la médecine. Comme on travaille avec une enveloppe globale, pour l'instant, c'est-à-dire, effectivement, donc avec cette enveloppe, il faut compter le personnel qui est pour nous la vraie richesse. Hein, c'est 80-85% de nos crédits, c'est payé personnel. Mais il faut également qu'on paye l'eau, il faut qu'on paye le chauffage et tout. Si on peut effectivement économiser de ce côté et avoir une infirmière de plus, c'est vrai que c'est là le HQE qui est un sigle un peu hermétique pour nous. Dans H, on met humain. Nous décidons de faire une brève escapade à Lévins, près de Nice. Car un projet de construction a particulièrement attiré notre attention. Il s'agit de la clinique des Lauriers Roses. Le nouveau bâtiment encore en chantier sera certifié BBC, le label bâtiment basse consommation de Effinergie. Mais ce qui nous intéresse le plus dans ce projet, ce n'est pas son label, mais l'engagement de la clinique dans le traitement de ses effluents liquides. Accompagné du CNRS et de la Lyonnaise des Eaux, cet établissement a inclus dans le projet de construction un bassin de traitement des eaux usées par Macrofit. Le bassin Macrofit va se situer dans toute cette zone ici, donc avec l'alimentation des eaux usées par le haut, et on va utiliser le système gravitaire et venir ici pour le traitement final.
on a d'un côté beaucoup de traitements antibiotiques, d'un autre beaucoup de traitements anticancéreux qui ont des produits mutagènes, donc qui correspondent vraiment à la problématique engendrée par les rejets médicamenteux. Et on s'est dit qu'en travaillant sur les plantes, donc sur les systèmes macrophytes, on pouvait trouver des systèmes d'élimination de rejets médicamenteux. Aujourd'hui, avec les recherches qui ont été faites en laboratoire, au niveau, avec des projets européens notamment, on se rend compte qu'il y a deux grandes catégories qui peuvent éliminer les rejets médicamenteux. Ce sont des systèmes intensifs avec des bioréacteurs à membrane et des systèmes extensifs avec des bassins secs de macrophytes de plantes. L'avantage des macrophytes, c'est qu'elles sont capables de traiter toutes les eaux, y compris chargées en matière organique. L'inconvénient des macrophytes, c'est que c'est consommateur d'espace. Les macrophytes demandent beaucoup d'espace, mais ont une vertu non négligeable, celle de préserver la biodiversité, puisque les plantes attirent bon nombre d'espèces animales. La clinique pourra donc répondre à l'un des engagements phares du Grenelle de l'environnement, la trame verte et bleue, dont l'épuration de l'eau fait partie intégrante. Nous voyons bien qu'en France, les labels HQE ou BBC ouvrent la porte du développement durable en santé. Mais lorsque nous quittons la clinique des Lauriers Roses, nous avons une question en tête. Ces labels sont-ils réellement nécessaires? Tout bâtiment de santé ne devrait-il pas être éco-construit, certification ou pas? Rudy Ricciotti, qui a reçu le prix national de l'architecture en janvier 2006, disait d'ailleurs de la HQE « c'est la fourrure verte, l'eldorado de l'arnaque », permettant de générer du profit sur le dos de l'environnement grâce à la mode de l'écologie. Une vision pertinente d'un label pourtant si réputé. Nous décidons alors d'aborder ce point de vue avec un autre acteur de la construction, le bureau d'études. Les labels HQE, ce sont BBC, malheureusement, c'est à un instant donné. Ça veut dire qu'on va vérifier que pendant la construction, on met en œuvre un certain nombre de matériaux qui devraient permettre la performance. Puis on va regarder à la fin si ça a été bien mis en œuvre et si ça correspond à ça. Mais la stabilité des produits, vous ne la trouvez qu'au bout de 2 ans. Ça veut dire que vos produits que vous utilisez dans la construction vont vivre. Il n'y a pas de mesure au bout de 2 ans. Donc aujourd'hui, c'est une photographie qui est un point de départ. Et derrière, il faut éduquer les gens pour continuer, ce qui ne se fait pas encore. Le domaine aussi, c'est d'avoir des réflexions, et là on a des labos qui nous permettent de le faire, d'utiliser des matériaux qui soient moins polluants et qui durent plus longtemps. Choisir des matériaux différents ne coûte pas plus cher. Encore faut-il avoir la curiosité, la volonté, l'intérêt pour le faire. Et justement en France, depuis le syndrome du bâtiment malsain avec l'amiante, on s'intéresse de très près aux impacts sanitaires des matériaux. Pour preuve, la mise en vigueur du règlement REACH en 2006 par la Commission européenne. Un règlement qui vise à classifier et étiqueter les produits pour en connaître la composition et les substances chimiques qu'il contient. REACH évolue et rendra obligatoire dès 2012 l'étiquetage des produits de construction. Les établissements de santé en France sont d'ailleurs en pleine réflexion sur le choix des produits et des dispositifs médicaux qu'ils utilisent. Certains hôpitaux ont déjà innové et modifié certaines pratiques de soins. Démonstration au service de réanimation du CH de Lagny-sur-Marne, qui est à ce jour le premier service en France certifié ISO 9001. Une norme de certification qualité alliant la performance à la durabilité. Ce qu'il y a d'important dans tout hôpital, et d'autant plus dans un service de réanimation, c'est l'hygiène. Au bout de 15 jours de présence du patient dans la chambre, le nettoyage passe au niveau 2. Et pour des raisons de présence de bactéries multirésistantes, tout le matériel non utilisé est alors jeté. Une perte de 150 € par chambre à chaque nettoyage. Donc vous avez le nettoyage par le vide, on nettoyait quand même les tiroirs, puis après on pulvérisait le produit qui dégoulinait. Alors donc, vous pulvérisiez quel produit c'est le produit à base d'alcool et de formol. Donc c'était pas top parce que ça dégoulinait. Le scope et tout ça, il fallait mettre des espèces d'alèses dessus, donc en fait on ne pulvérisait pas sur les appareils en eux-mêmes. Et puis le lit n'était pas pulvérisé, parce que c'était que les surfaces comme ça. Bon, puis il fallait qu'on ait une espèce de masque à gaz, donc c'était très lourd pour le personnel, très contraignant et pas du tout sympa. L'équipe d'hygiène a donc recherché une solution pour éviter ce nettoyage par le vide et a finalement opté pour un système de désinfection à base de peroxyde d'hydrogène. Alors le peroxyde d'hydrogène, basiquement, c'est de l'eau oxygénée, c'est ce qu'utilisent les coiffeurs pour faire des mèches ou pour blondir les cheveux.
Donc nous, voilà, on a un produit concentré à 6% avec un tout petit peu de nitrate d'argent à l'intérieur pour booster la solution, pour catalyser. Ça démultiplie l'effet en fait. Le traitement est assez court puisque pour une chambre comme ça, le temps de fonctionnement de la machine va être de 3 minutes. On va utiliser 50 ml de produit et au bout d'une demi-heure, tout est détruit en eau et en oxygène. Une chambre est libre au bout de 30 minutes, ça ne sent pas mauvais, c'est pas toxique, donc bon, la chambre est réutilisable immédiatement, donc c'est tout bénéfice. Si le système Oxypharm répond à toutes les analyses bactériologiques, il est encore difficile aujourd'hui de répondre à l'innocuité absolue du peroxyde d'hydrogène. Le Centre international de recherche sur le cancer estime que les preuves sont insuffisantes pour déclarer la substance cancérogène pour l'homme, mais il affirme néanmoins que des preuves limitées existent pour l'animal de laboratoire. D'où la nécessité croissante de créer une agence de contrôle en recherche et développement pour évaluer tous les impacts sanitaires des nouveaux produits mis sur le marché. Parfois, il n'y a pas besoin d'innovation pour trouver des produits à la fois désinfectants, écologiques et efficaces. Nos ancêtres l'avaient bien compris. Il y a 4000 ans déjà, les Égyptiens et les Grecs utilisaient un certain matériau pour désinfecter l'eau et les plaies, le cuivre. Le cuivre a des propriétés antimicrobiennes qui commencent à intéresser les professionnels de santé. Olivier Tissot est directeur du CICLA, le centre d'information du cuivre. Il nous présente les différents produits que les établissements peuvent aujourd'hui utiliser. Alors voilà ce qu'on sait faire aujourd'hui. Alors on sait faire par exemple des interrupteurs. Alors on ne s'imagine pas, mais effectivement c'est quand même des pièces qui sont touchées extrêmement régulièrement dans une journée et qui donc favorise la transmission des germes. Voilà ce qu'on peut obtenir lorsqu'on a un robinet qui finalement n'est pas chromé. Bon, alors là, c'est un alliage de cuivre, hein. C'est pas du cuivre pur, c'est du laiton. Et plus l'alliage va contenir de cuivre, plus son efficacité antibactérienne sera forte. Alors quand je dis forte, c'est en fait une activité dans le temps. Plus il y a de cuivre, plus les germes sont éliminés rapidement. Une expérience, j'ai un germe, je pose mon doigt dessus, là, voilà, oui, quelqu'un passe derrière, il faut attendre combien de temps? Alors, comme je vous disais, ça va dépendre de la teneur en cuivre de l'alliage. Du cuivre pur est capable d'éliminer en 90 minutes des populations complètes de staphylocoques dorés résistants à la méticilline. En France, le cuivre n'a pas encore été véritablement testé dans un établissement de santé. Mais nous allons pouvoir obtenir des résultats qualitatifs sur ce matériau dans un pays réputé très en avance en matière de développement durable. À la clinique Wandsbeek à Hambourg, on a testé le cuivre dans un service de gériatrie. C'est le professeur Jörg Braun qui nous présente les résultats de l'expérience. Wir konnten feststellen, dass der Keimbesatz etwa die Hälfte niedriger war auf Türklinken mit Kupfermaterial als auf herkömmlichen Material. Und unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass auch die Übertragung von Neurogastroenteritis reduziert werden kann durch den Einsatz von Kupferklinken. En matière de développement durable, l'Allemagne est un pays incontournable, réputé pour être en avance sur les questions environnementales. Mais pas seulement. Nous découvrons qu'en Allemagne, les hôpitaux rationalisent au centime près leur activité et forment des groupes importants comme Asklepios. Asklepios, die Klinikengruppe in Europa, hat etwa 100 Einrichtungen, im Wesentlichen Krankenhäuser. Und in Hamburg haben wir 7 große Krankenhäuser, Kliniken. Und dort arbeiten etwa 12.000 Menschen. C'est avec l'attaché de presse du groupe que nous allons visiter la clinique Barmberg, un site pilote pour Asklepios. C'est Stéphane Teff qui nous reçoit. Il est ingénieur à la clinique Barmberg. Nous le retrouvons dans l'atrium, la pièce centrale, pour découvrir le point fort du bâtiment, la ventilation naturelle. Nach und nach zum Mittelpunkt dieser Klinik etabliert, wenn es darum geht, Besucher und Patienten einen Raum anzubieten, der so ein Stück weit. Dieses Atrium funktioniert so, dass wir ab einer gewissen Außentemperatur die Glasdächer öffnen können, sodass wir hier einen großen Wärmestau haben. Läuft es auf? Dann können wir mal gucken. Ja.
Dadurch haben sie die Möglichkeit, und das ist auch wieder ein Energieaspekt, natürlich zu B- und Entlüften. Darauf, natürlich heißt, sie machen das Fenster auf und bekommen ganz normale Luft von außen, als wenn sie natürlich zu Hause B- und Entlüften. Und daraus, aufgrund dieser Architektur können wir dann wiederum auf die Ausstattung von Klimaanlagen beispielsweise verzichten. Autre avantage de cet atrium, pas besoin d'allumer la lumière dans les chambres qui sont suffisamment bien exposées. Et là où il y a besoin d'un éclairage supplémentaire, la clinique a mis en place ce que le marché offre de mieux actuellement en matière d'éclairage. Wir haben an einer Stelle die alte Downlight-Röhre, also eine vorhandene Halogen-Einsparleuchte, neben eine LED-Leuchte gesetzt. Und da kann man erkennen, dass die Lichtstärke und die Lichtausbeute und auch die Lichtfarbe nahezu identisch ist, aber die Energieeffizienz der LED-Leuchte ist deutlich besser und vor allen Dingen, das ist auch für uns spannend, die Haltbarkeit liegt mit 50.000 Stunden in etwa im Bereich des 7- bis 8-fachen der heute eingesetzten konventionellen Energieleuchte. Denn wirkt dieses Haus anders und ich glaube auch, dass sich Patienten, Besucher und Mitarbeiter nicht wirklich wohlfühlen. Deswegen haben wir jetzt zwei Leuchten hier in der Testphase von zwei großen namhaften Herstellern in Deutschland, muss ich zeigen. Avec tous ces changements, la clinique Barnberg économise 100 000 euros par an et réduit ses rejets de CO2 de 150 000 kg par an. Mais dans cet établissement, l'exemple sans doute le plus démonstratif de la rationalité dans la gestion de l'hôpital se trouve à la pharmacie. Ici, aucun stock de médicaments, juste un ordinateur où sont enregistrées toutes les ordonnances des patients. Les pharmaciens passent en fait commande à la pharmacie centrale. Située à quelques kilomètres, c'est elle qui gère automatiquement les médicaments et fournit une quarantaine de services à Hambourg. Alors, das, was wir sehen jetzt, ist die Dose für eines Tages in einer Station. Ja, für einen Tag, von heute Abend 18 Uhr bis morgen 12 Uhr für eine Station. Und es kommt dann vorne auf den Rechner an und wird dann hier auf die Maschine geleitet und hier die Maschine packt dann die Aufträge. Patientenbezogen, also mit Namen, mit Uhrzeiten, wann es eingenommen wird, morgens, mittags, abends, ja, für einen Tag. Sie haben hier den Blick auf die Packzone. Dort wird gleichzeitig gepackt für 40 Kostenstellen. Die Artikel, die vorne aufgelegt werden aufs Band, laufen einmal ums gesamte U. Und da vorne in dem grauen Kasten, den Sie dort sehen, ist eine Kamera eingebaut. Die Kamera fotografiert jeden Artikel auf dem Band und vergleicht die mit einer internen Datenbank. In der Datenbank wird festgehalten, okay, Artikel kenne ich, der muss in Ausgang 18, 19 oder 20 ausgegliedert werden, ausgeschleust werden. Also Vorteil für uns als Station ist, dass wir die Medikamente nicht stellen müssen. Das würde uns auch viel Zeit nehmen. Und das ist so eine Sicherheit für uns und für die Patienten, weil auf so einer Tüte steht immer Name, Patientenname drauf, Medikamentenname und Dosierung und die Uhrzeit. Und da haben wir eine Sicherheit, dass der richtige Patient die richtige Medikation bekommt. Plus de stock de médicaments et des livraisons diminuées, cela réduit d'autant plus les émissions de gaz à effet de serre du groupe Asclepios. Mais en matière de réduction carbone, il y a un pays leader dans ce domaine. À l'heure actuelle, la question du développement durable au Royaume-Uni est devenue une priorité au niveau des politiques publiques. Ce n'est plus quelque chose que l'on fait parce que c'est bien de le faire, mais on le fait pour appliquer la loi. Et le thème particulièrement mis en avant, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Dans ce domaine, l'Angleterre devient leader. Le secteur de la santé ici est géré par le NHS, le National Health Service, qui est la réunion de 4 systèmes de santé publics répartis dans toute l'Angleterre. C'est l'un des employeurs et des acheteurs le plus important du pays, avec 1 500 000 personnes, dont 350 000 docteurs et infirmiers. Et son empreinte carbone est également une des plus importantes, 18 millions de tonnes de CO2 par an. Rien d'étonnant donc à l'objectif ambitieux du NHS, réduire les émissions de 26% d'ici 2020 et de 80% d'ici 2050. Les organisations hospitalières, hôpitaux privés comme publics, ont l'obligation légale d'atteindre ces objectifs et mettent en place des plans de réduction des émissions carbone. C'est le cas du UCLH, l'hôpital universitaire de Londres, qui a lancé depuis 2 ans un plan de réduction de CO2 particulièrement innovant.
what we've done here is we've produced a carbon management plan and sustainability policy which has been approved by our board, and this sets out 100 work streams and areas that we need to develop in order to reduce carbon and become more sustainable over the next 5 years. So some practical examples, the first one is using the staff that we've got and working with our staff and making sure that the culture is supportive of sustainability. We've employed 60 energy champions who have been trained in sustainability. That includes doctors, pharmacists, nurses, cleaners, porters, basically everyone that we think could make a difference. It's a voluntary thing, so it's a very practical, very non-technical introduction to sustainability. And at the end of it, we task them with producing a work plan in their own workplace when they go back. So there are 10 things that they can do to make a difference. So this was one of our Carbon Oscars that we presented to our staff earlier this year for the good work that they've done on sustainability. And over the past 3 years, we've reduced carbon emissions by 9% each year. So for a very low cost, we can make an immediate impact and we can start to get people to think about these cultural changes. But also we're a business and there's a business impact of sustainability, and there are savings to be made and there are efficiencies to be made around being more sustainable. L'hôpital universitaire de Londres a été construit grâce à un partenariat public-privé. Le Trust et les acteurs publics ont donné une grande importance à l'utilisation de l'espace. Car pour un hôpital situé en plein cœur de Londres, l'espace est une richesse majeure. To ensure that then that is used in its most efficient way, one of the things that we looked at was to ensure that light generation and light usage within inside of the building could be used for the patients in the best effect. All of the wards and the patients that are inside of the building have the light generation from natural light, and the services all go through the core of the building. And we looked at ways and means of ensuring that the energy usage for ventilation systems and variable fan use within inside of that, and using natural ventilation as much as we possibly could through the ventilation systems through the building and the plant rooms. Direction le nouveau bâtiment du UCLH, au cœur de l'hôpital, là où sont centralisés tous les systèmes d'énergie, le quatrième étage. Each of these units, and this was the design intent, is to ensure that the airflow within inside this area was minimized and most efficient. And this is where they are finishing the whole energy for the theaters. Le UCLH a fait l'objet d'un bilan énergétique lors de sa conception. Et grâce à des systèmes performants et surtout l'utilisation de la lumière naturelle, le UCLH économise 5% d'énergie globale par an depuis 10 ans. So, pretty much all of the rooms and all of the wards have got this type of, you know, get the most of the best of the daylight into the building. And so the views right through the building, you know, from 360, as you see all the different facets of London. PTS system, it's a pneumatic tube system, which is where we had to look, is located here. So do you put the patient samples in there? Correct, from these. Yeah, and then they go into that, and then they set in the code, and they then go to any other ward area or any other building. When we first opened the hospital, it was quite interesting. We used to get just members of the public come up to here, because it's a public building, and actually eat the sandwiches, bring the little tables and chairs and things, and look out the window just to look at the view, because it's such a nice view. So. Did you study also the way the patients are traveling, the way of the moving of the hospital? The patient movements and the staff movements were inside the building was one of the sort of major considerations to take, not just for this building, but for the Trust's 6 hospitals in this location. Most of those are actually serviced by a network of tunnels throughout London, so underground. So this building goes down 2 complete stories underground, and the full footprint of the building. And there are then different tunnels leading to other buildings throughout this estate, so we can actually move our patients' equipment between those buildings to this site, so it doesn't have to go above ground. It's a lot easier, a lot more efficient, a lot more effective.
D'ici 2020, l'Angleterre devra réduire ses émissions de CO2 de 26%. Et c'est un vrai défi à relever. Les gens vont devoir réfléchir à la manière de construire et d'utiliser le bâtiment, réfléchir à investir dans de nouvelles technologies. Et déjà, au Royaume-Uni, certains producteurs de vente d'énergie alternative au détail sont leaders sur le marché, leur production ayant un impact nul sur l'environnement et une émission carbone de 0%. Et pour découvrir toutes les nouveautés en matière de construction durable et de performance énergétique, il faut aller au parc d'innovation de Bree, situé en banlieue de Londres. Bree est une organisation qui se consacre à la recherche dans le bâtiment. C'est eux qui ont créé en 1990 le label environnemental BREEAM. We're here at the BRE Innovation Park, as I say, giving developers and manufacturers the opportunity to come here to build buildings, and we have a range of different types of buildings on this site here. And demonstrate products and bring people here to show them the benefits. Various buildings on the site here, particularly some with large amounts of photovoltaic panels. So you see wind turbines and different types of renewable energy technologies. Also, a lot of these buildings incorporate the use of balcony areas, so allowing residents or owners of the buildings to go out outside the building and mix with the environment around them. Il y a un bâtiment particulier dans le parc d'innovation de Bree. Consacré au départ à l'éducation, il a été converti il y a un an en bâtiment de santé. Tout est fait pour y montrer comment les professionnels de santé et les patients peuvent interagir avec le bâtiment. The idea in particular here with this building was to look at that sort of community role of the healthcare building and trying to look at it more as a health and well-being type facility rather than just. À la base du projet, des constructeurs, des experts, des professionnels de santé, des universitaires ont réfléchi ensemble sur comment appliquer le développement durable aux bâtiments de santé. Et en 2008, le label BREEAM Santé était né. And try to develop it in a way that is sensitive to those specific needs of the healthcare sector, sections including management, health and well-being, energy, pollution, waste, water. It sort of works on a voluntary basis, so we make the tool available to trust to sort of sign up to it. Tandis qu'au Royaume-Uni, c'est la course à la réduction énergétique et à la diminution carbone, dans un autre coin de l'Europe, on utilise le bâtiment différemment. La porte d'entrée sur l'éco-construction, ce sont les matériaux, mais pas seulement. L'utilisation et la vie dans le bâtiment priment aussi. Quand nous arrivons en Suède, nous changeons de rythme. On se pose pour découvrir Stockholm, en bateau, car cette ville d'eau est construite sur 19 archipels, reliés par des ponts. Si le développement durable est important ici, c'est qu'il est une valeur majeure du conseil de la ville, le County Council. Ce conseil est une vraie autorité déconcentrée de l'État, qui est en charge de deux secteurs, les transports et la santé. Le Lazaret Hospital est un des hôpitaux gérés par le conseil de la ville. Un établissement de 96 lits, certifié ISO 14001 depuis 10 ans. L'hôpital est divisé en deux bâtiments, qui ont exactement 100 ans d'écart. Le plus récent, datant de 1996, intègre de nombreux critères environnementaux. Et la porte d'entrée sur le développement durable ici, ce sont les matériaux. Je pense que durant les 60s en Suède, nous avons construit beaucoup de bâtiments, beaucoup de bâtiments, et il y avait beaucoup de suspicious materials incorporated in these buildings, and people, they got sick from it and so on. And then during the 90s, people started to react on that, and they wanted to have natural materials and so on when you build new houses and so on. Wood, stone, not plastic and so on. There was an architect that was working with us and with many of the employers. They were taking part of it all the way. Le conseil de la ville, les hôpitaux, les ONG et les fournisseurs sont très liés en Suède. Tous se mettent au diapason pour bannir les matériaux et produits néfastes. Il faut dire que le conseil de la ville va droit au but, supprimer 25% de produits toxiques en 2011. Et dans le nouveau bâtiment de l'hôpital Lazaret, ça commence par un changement de certaines pratiques, comme la radiologie, qui est désormais numérique. Le calcul est rapide, zéro film radiologique, zéro produit toxique utilisé, zéro rejet dans les eaux usées. This is the X-ray lab, the patients, and you can look at the results on the. When if you have the old conventional X-ray, so a lot of chemicals, you know,
big volumes and also big risk that it comes out and pollute. So now they have only digital lung x-ray. Un matériau a particulièrement été banni au Lazaret Hospital. Il s'agit du chlorure de polyvinyle, plus couramment appelé PVC. Un plastique souple que l'on trouve partout dans les matériaux, les vêtements, les dispositifs médicaux. Certains PVC contiennent des phtalates, des substances classées CMR, cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques par l'Agence européenne des produits chimiques. Dans le Lazaret Hospital, des gants aux tubes d'intubation des nourrissons, du sol au plafond, toutes les alternatives possibles ont été trouvées pour éviter le plastique. You can see the fossils in it here, the white traces here, which is orthoceratids. This sort of limestone was sedimented about 300 million years ago or something like that. And we can see them still today. It is paint that is without VOC, of course. I can think of that it is water can dissolve in water. About this, I don't know at all. The architect believes that the paintings, the light, the harmony, is a part of the healing. Okay. What is that? Energy saving. Des blouses blanches qui se déplacent en trottinette, c'est l'économie d'énergie à la suédoise. Mais plus concrètement, les objectifs à Stockholm sont d'atteindre 75% d'utilisation d'énergie verte. L'hôpital Lazaret, lui, atteint 100% d'énergie renouvelable. C'est intéressant pour nous de voir comment les médecins ici sont impliqués dans ces questions environnementales. Car c'est assez rare en France et plutôt difficile de sensibiliser les médecins. En Suède, tout a l'air si simple. It's hard even for us to get doctors very engaged in some of those items. But we got them there when we talk about drugs and the environment. Because that is something the doctors are very responsible for. Every doctor has to go take part in this education about how drugs could affect our environment. What kind of education is it? We try to inform the doctors that it is important to reduce subscription as much as possible, not to subscribe too much, you know, which in many cases could be for antibiotica and other things, you know. And we try to inform them that it's important not to put out too many drugs in the environment via the human body. Drug industry, we have developed a tool for the doctors to be able to decide what sort of drug shall they prescribe. They can choose between drugs that have the same effect on the patient, but some drugs are better for the environment, so they can choose the one that is less harmful for the environment. When we started the education here, it was hard to get the doctors to participate. Until we found this way to wake them up. Avant de quitter Stockholm, nous avons eu la chance d'avoir un aperçu du projet de construction du nouvel hôpital universitaire, le Karolinska. Sa construction s'achèvera en 2017 et ce sera alors le plus grand hôpital du monde. Voici l'hôpital du futur. 320 000 m², 8 000 salles au total, un bâtiment pensé pour le siècle à venir. Le Karolinska sera certifié LEED, système de certification allemand, bâtiment d'or, et aura la plus haute distinction de la certification bâtiment environnement classé. Le développement durable a été déterminant dans chaque phase d'étude, c'était même l'une des 6 cibles du projet. The new building will be very general and flexible, or generic building, so to speak. We will have heights on the floors, will be general in the entire hospital. You can put equipment, medical equipment in the whole hospital, everywhere. So a way to ensure us that in the future, when we get larger equipment or different equipment or more or something like that, we can use the building for a very long time. So we build this for at least 100 years use. And we can rebuild it, refurbish very easily,
because of the generic structure of the building. So that's one sustainability part in that too. Le bâtiment a été pensé avec des murs et des fenêtres isolantes. Le système de ventilation sera performant avec l'installation de pompes à chaleur. Ce projet grandiose va coûter plus d'1 milliard d'euros et sera financé par des partenariats public-privé et par la Banque européenne d'investissement. To get the funds for the generic structure were quite hard because we have to show that you can use it for a very long time and it add a value to the building. So one of our objectives is that we should have life cycle calculation for all choices we do. The life cycle calculation is the investment cost, and then it's the cost for running, then it's cheaper than building a generic building, of course. À l'image du Karolinska, les nouveaux hôpitaux verts bousculent quelque peu les codes de la construction hospitalière. Les couloirs blancs et froids laissent la place aux ambiances colorées et chaleureuses. Les murs fades se transforment en fresques artistiques. Finalement, l'hôpital du futur ressemble plus à un musée ou un hôtel. Et ces changements d'architecture et de design ont un même but. Avoir un hôpital plus esthétique et surtout moins stressant. Nous allons visiter un établissement modèle en matière d'architecture durable, qui participe au processus de guérison des enfants malades. Il s'agit de l'hôpital pédiatrique Meilleur, inauguré à Florence en 2007. Dans la capitale de la Renaissance, ce nouvel hôpital se devait d'être beau, car en Italie, on ne badine pas avec cette vision esthétique des choses. Le développement durable dans ce pays implique aussi cette dimension. Le projet est né dans ce bureau d'études, situé rue des Artistes à Florence, déjà tout un programme. Sempre ospedali inseriti in contesti storici, culturali, paesaggistici, se vogliamo dire un po' difficili, che hanno richiedevano una certa sensibilità per il territorio. C'est là qu'a été instruit l'appel d'offres, là qu'une équipe d'architectes a conçu ce projet particulièrement complexe et ambitieux. Notamment du fait de l'insertion délicate du nouvel hôpital dans un environnement précieusement gardé, les collines florentines. La structure devait englober et agrandir un bâtiment vétuste, celui que les Florentins appelaient leur petit hôpital. Un ospedale non ospedale. Questo è il giudizio che ci viene sempre più sottolineato, cioè una struttura che ha perso l'immagine codificata del complesso ospedaliero. Io credo che noi qui abbiamo trovato una condizione di equilibrio e di armonia per cui l'ospedale, così come realizzato, piace ai genitori, piace ai bambini e piace agli architetti. Ecco, io credo che questo debba essere il vero obiettivo della sanità del futuro. Pour accéder à la nouvelle extension de 26 000 m², les patients empruntent la partie du bâtiment la plus impressionnante, le hall d'entrée bioclimatique, appelé Serra, un chemin couvert au milieu du jardin central que nous traversons avec Cristina, notre architecte. L'arrivo, questa è una caratteristica importante, non è diretto, per cui si entra immediatamente dentro un ambiente ospedaliero, ma è graduale. Quindi c'è la palazzina con la sua memoria storica, c'è il percorso nel parco. E finalmente si arriva all'atrio, all'accettazione. Sembra che si sia entrati in una villa, in un museo, ma ancora non c'è, il bambino, perché va visto tutto con gli occhi di un bambino. Il bambino non ha ancora avuto nessuna percezione che sta entrando in ospedale. Cristina nous présente Maria Alisonati, responsable du service des maladies métaboliques. C'est l'occasion pour nous de savoir si ce nouvel hôpital satisfait autant les soignants que les architectes et les enfants. En bref, se sent-on bien à l'hôpital Meilleur ? Assolutamente, perché i bambini chiaramente che vengono in un ospedale di questo tipo vengono volentieri, perché è un ospedale luminoso, ci sono tanti colori e veramente poi tutta l'organizzazione che cerca anche di creare degli spazi apposta per quella che è la competenza. Nous commençons notre visite par le vaste atrium rempli de lumière et d'œuvres d'art.
Les vitres de l'ensemble sont recouvertes de panneaux solaires pour produire l'énergie et réduire l'éblouissement. L'énergétique à l'intérieur de l'atrio est particulièrement présente. Il pannello photovoltaico poi sfuma in elementi di serigrafatura del vetro che poi diventa completamente trasparente alla sua base. Les économies d'énergie et de CO2 réalisées sont affichées en temps réel sur un panneau au centre de l'atrium, visible de tous. C'est là que nous retrouvons Roberta du bureau de presse. Les deux femmes vont nous aider à poursuivre la visite du pôle pédiatrique, dont une des autres prouesses réside dans le système d'éclairage dont il bénéficie. Un système ingénieusement dissimulé dans des structures qui permet d'éclairer les trois étages du bâtiment jusqu'au sous-sol et qui sert également à orienter le public. Dei landmark, e quindi uno non deve dire sono alla terza scala interno B, ma può dire, un bambino può dire vediamoci al totem rosa. La luce che è catturata dal lucernario viene convogliata all'interno di questo cono e poi focalizzata fino in fondo. Quindi questo è un elemento che ha due funzioni. Ici la tecnica e l'art ne font qu'un. Et c'est un choix des architectes toscans qui, en concevant cet hôpital, se sont appuyés sur une étude réalisée auprès de 5000 enfants. Le résultat de l'étude les a dirigés vers un hôpital fonctionnel, mais surtout sensoriel. Car les enfants sont plus sujets à des risques d'inadaptation au milieu hospitalier, ce qui explique le besoin de confort, de calme et l'intégration de l'art. Et dans cet hôpital, un personnage local veille sur eux, le célèbre Pinocchio, dont le papa est certes Geppetto, mais aussi avant tout Carlo Collodi, un écrivain de la ville. Ce conte pour enfants reste ici un fil rouge. Siamo entrati dentro una serie di spazi che parlano il linguaggio dei bimbi, del verde, del paesaggio e dei loro eroi. Il colore è fondamentale perché caratterizza anche tutti i piani. Il bambino è protagonista, è al centro del progetto dell'ospedale. Au-delà de la dimension artistique et de la performance technique, nous avons voulu en savoir plus sur la vie à l'intérieur de l'hôpital. Comment les professionnels de santé intègrent-ils le développement durable dans leur nouveau bâtiment? C'est Monica Frassinem, médecin, qui nous répond. Nelle parti di ospedale dove degli rifiuti liquidi inquinanti si producono, ad esempio penso ai laboratori oppure le radiologie, abbiamo dei sistemi di raccolta puntuale dove questi rifiuti vengono poi smaltiti da ditte specializzate che possono certificarne il corretto smaltimento. Ma per di più le politiche che noi abbiamo introdotto per cercare di ridurre al minimo questi tipi di liquami ci consentono che nei laboratori ci siano apparecchiature che utilizzano i cosiddetti micrometodi e quindi con pochissimi dosaggi di sostanze e dovunque le sostanze chimiche è stato possibile sostituirle con sostanze non tossiche, abbiamo tutti i chimici non tossici che servono per le indagini dei laboratori. Tout au long de notre visite, c'est cet argument d'un hôpital non hôpital qui a été martelé comme leitmotiv. Meilleur n'est pas seulement un lieu de soins, c'est aussi un lieu de vie. Illustration avec Pascal qui anime l'atelier d'horticulture, une activité totalement intégrée dans le projet thérapeutique. Infatti l'orto si inserisce in una visione pedagogica educativa perché comunque attraverso la cultura delle piante c'è tutta una cultura della vita, prendersi cura di una pianta, aspettare i tempi che è importante anche per un discorso di guarigione, perché non si fa una terapia farmacologica e immediatamente si vede il risultato, così come non si pianta insieme e immediatamente vediamo il fiore o l'ortaggio. Nello stesso modo l'orto per i bambini è un messaggio molto importante anche proprio per affrontare la malattia che hanno, prendersi cura anche per di qualcosa, di una pianta in questo caso, quindi comunque di un essere animato per prendersi cura anche di se stessi. C'est sur le toit du bâtiment que nous retrouvons Cristina et Roberta pour terminer notre visite. Cette toiture végétalisée sert d'isolant thermique et régule naturellement la température intérieure. C'est là que sont installés les 47 chapeaux de Pinocchio. Anche questi portano la luce giù. Portano luce naturale. Infatti qui vediamo tutta la sequenza, tutta Solar Cubes. Questo è il Solar Cube. Che è una tecnologia semplicissima. Quindi si moltiplica, prende la luce dal cielo, la porta giù e la conduce fino a dove noi vogliamo farla arrivare. In questo caso
poi lo vedremo davanti alla porta proprio della camera, di degenza. Va a caccia di luce e la porta dove vogliamo che arrivi, a costo zero. A costo zero. C'est sur ce toit vert que nous mesurons la véritable prouesse de cet édifice. Les matériaux, la lumière, les couleurs, le paysage sont combinés pour créer un espace qui réinvente l'idée de ce qu'un hôpital peut être. Et c'est pour cela qu'à Florence, l'hôpital Meilleur est une fierté et surtout une belle réussite pour le secteur de la santé. Sì, il Meilleur costa a un bilancio annuale di circa 50-60 milioni e anche la realizzazione della struttura con gli attuali ampliamenti è costato una cifra analoga, 50-60 milioni, a dimostrazione appunto che con la qualità si può anche riuscire a contenere i costi in un settore importante come questo della sanità. Se posso aggiungere un'ultima cosa, diciamo pure che il Meilleur è anche una bellissima struttura e il fatto che sia bello noi siamo convinti che aiuta anche a curare la salute. Pour la dernière étape de ce voyage, nous partons en Espagne, où nous allons découvrir l'hôpital de Molé, dans la commune de Barcelone. Un petit bijou en matière d'éco-conception hospitalière. Et c'est avec le président du C2DS, Olivier Thomas, que nous allons visiter cet établissement. Le directeur et l'ingénieur nous attendent à l'entrée de l'hôpital, une structure de 27 000 m², totalement intégrée dans un parc naturel. Alors cet hôpital, il est ouvert depuis combien de temps ? Pues ahora hace 9 meses que abrió este hospital, sí, el pasado verano estábamos en un hospital viejo y se acabó de construir este hospital que ha tardado 3 años en construirse y nos trasladamos aquí hace aproximadamente 9 meses. Cet hôpital est à haute qualité environnementale, c'est vous qui avez participé à sa conception. Sí. Pourquoi une telle vision pour un hôpital aujourd'hui en Catalogne? Bueno, nosotros participamos activamente, como sugieres, en el diseño y en la construcción del hospital, aprovechando que el Ayuntamiento de Mollet cedió un espacio tremendo, que como veis está al lado de la naturaleza. Esta zona que veis que rodea el hospital es un parque, es una reserva natural, donde hay agricultura ecológica, etc. Y pensábamos que el hospital tenía que ser algo distinto a la construcción de los hospitales tradicionales. Participamos en que el diseño fuera lo más cercano posible a una concepción ecofuncional del centro. Les points forts de ce nouvel hôpital, c'est tout d'abord la lumière naturelle qui baigne la structure, mais également toute l'importance donnée à l'intimité des patients, tout comme des soignants. Quand nous pénétrons dans l'hôpital de Molé, nous pensons plutôt à un hôtel design ou un terminal d'aéroport, mais nous n'avons pas du tout l'impression d'être dans un hôpital. Nous allons rapidement comprendre pourquoi. Tout vient de la conception architecturale, comme nous l'explique le docteur Durand. L'hôpital fonctionnellement dispone de un pasillo antérieur, que es donde circulan los familiares, los acompañantes, y una rambla o un pasillo posterior por donde se ubican los profesionales y los circuitos de asistencia. De tal manera que es en las zonas intermedias donde se producen los contactos de atención entre pacientes y profesionales. Y el arquitecto propuso en su momento una idea fantástica, que es que convierte estos espacios centrales en patios por los que llega la luz a todo el hospital. Direction le premier étage, ou plutôt la zone de promenade, réservée exclusivement aux patients et aux familles. C'est là que commence le travail d'éclairage naturel pensé par les architectes. Es que la luz del pasillo es una claraboya. En este momento en el pasillo no hay ni una sola luz abierta. Es solo luz natural. Dans un hôpital traditionnel de même caractéristique et de même taille, le coût de l'énergie est d'environ 20%. Grâce à son système d'éclairage, l'hôpital de Molé, lui, se situe à 12-14%. Mais en plus des économies d'énergie, la lumière naturelle est beaucoup plus agréable pour les patients et les soignants. Nous rencontrons Mireia, qui est infirmière. Pour elle, c'est une évidence, cet hôpital permet d'améliorer la qualité de vie des infirmiers et la qualité des soins. Si el
paciente, que es la persona a la que atendemos y cuidamos, está mejor, está más confortable, la enfermera evidentemente trabaja mejor. Entonces todo va unido, ¿no? Das una mejor calidad asistencial, la enfermera está satisfecha con los cuidados que está haciendo porque la persona está bien cuidada y el estrés del profesional disminuye. Je voudrais savoir si pour vous, dans votre pratique médicale quotidienne, ça change les choses, si vous pensez que ça améliore la qualité des soins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bien, sí, la réponse est sí. Fins a quin punt no ho sabem exactament, però com a professionals sí que podem dir que hem experimentat, almenys en la meva carrera, altres edificis, inclús del segle passat, que són edificis malalts. Vale. Aquest no, aquest és un edifici sa, és un edifici nou, sostenible i molt, molt agradable de treballar. Per tant, l'ambient de treball ha millorat molt. Per tant, ha millorat l'estat de salut de les persones que hi treballen i segurament, encara és d'hora per dir-ho, el resultat de la seva feina que fan. Este es un espacio en el que se puede ver desde el pasillo profesional cómo los patios interiores permiten llevar luz a todas las zonas de trabajo. Todo el jardín es un jardín de que se autorregenera y por lo tanto utiliza aguas pluviales que se van en reservorios. Este es el pasillo técnico de la planta menos 2. Estamos en el subsuelo segundo y como pueden ver, la profundidad de los jardines de la zona intermedia permite que todas las personas que incluso trabajan en la planta menos 2 dispongan de luz natural, porque a través de estos patios interiores llega la luz y este jardín que hace una sensación de mucho más natural, de mucho más confort, mucho más relajante en esta zona. Incluso las plantas que están aquí son bambús que se trasplantaron. Estos bambús tienen 50 años y se quiso dar un poco la sensación de que traíamos con nosotros entes, seres que ya estaban vivos y que están haciendo raíces en nuestra institución. Por tanto, es un jardín también muy natural. Ce jardin possède également 4 puits, des collecteurs géothermiques, une des principales installations du bâtiment que nous présente David, le directeur des services techniques. Es un sistema lo que se llama de las energías renovables, que utiliza la energía del suelo, lo que es temperatura tanto en frío como en calor, para utilizar esa energía y climatizar el edificio. ¿Cómo se hace esto? Lo que nos permite con el sistema geotérmico son unas bombas de calor que enviamos agua durante 146 metros de profundidad y tenemos 148 pozos. Esto en total son unos 20.000 metros de tuberías, 20.000 metros de tuberías que hay debajo del suelo del hospital, todo recogido en 4 colectores, y estos 4 colectores permiten generar esa temperatura que nos permite después climatizar el edificio. Esos son unos ahorros muy importantes, del orden de unos 197.000 kilovatios hora térmicos. Dos aspectos fundamentales que estamos viendo en este momento y después de 9 meses de funcionamiento estamos empezando a recibir. Uno es el impacto económico que viene directamente relacionado con el que sería el ahorro energético. Desde el punto de vista de la eficiencia energética hay un 25% de ahorro directo. Luego hay un ahorro indirecto que también es muy importante en términos de confort profesional, de clima laboral, de accidentabilidad de los profesionales que trabajan en la casa, que también se ve reducido, y de una manera especial cómo baja también la estancia media de los enfermos que están ingresados. L'objectif principal de ces nouveaux hôpitaux est de réduire la consommation énergétique. Alors que les architectes, constructeurs et bureaux d'études amènent des solutions techniques innovantes et performantes, de leur côté, les professionnels de santé gardent le cap vers leur mission première, améliorer la qualité des soins. Et lorsque toutes ces parties prenantes réfléchissent et travaillent ensemble pour arriver à éco-construire un hôpital, c'est une véritable réussite. De sa naissance à sa fin de vie, en passant par son utilisation, l'hôpital est alors éco-conçu, au travers d'une seule philosophie,
le développement durable. Et peut-être pouvons-nous répondre à Norbert Chautard, en quête d'un langage commun entre médecins et architectes. Car au fil de notre voyage, nous avons pensé que le seul langage commun pour éco-concevoir un hôpital, c'est l'humanité. L'homme avec un grand H.